et dossier Petro qui arrivé, tout le monde connaît, qui directement, depuis en 2018, qui a fait la une. Maintenant, Maître Antoine, Marc-Antoine Lesodev, pral bay detay, qui côté dossier a yé exactement. Moi-même, réaction pas non au niveau réseau national des clients Petro-Caribe. Il y a des tollés qui dit réseau national des clients Petro-Caribe, c'est SDP. Il est clair pour tout journaliste, pour toute population en général, réseau national des clients Petro-Caribe, au nombre de 79 clients, nous pas SDP. Si un avocat qui directement engagé non accord avec Ariel, tout le monde connaît, qui a suspicion sous tête, qui n'a pas dû là aujourd'hui, qui a dû débattre pour répondre à la question de la justice, avocat ça lui-même, n'a pas mis en disponibilité en attendant lumière faite sous dossier qui pesait sous tête avocat. Pendant ce temps, dossier Petro-Caribe a fait outli sans aucun problème. Maître Antoine, là, lui-même, la baille, état d'avancement, les dossiers Petro-Caribe. Merci beaucoup. Le adjoint réseau national géant Petro-Caribe, après bilan que camarade secrétaire général Johnny Joseph finit bail nation de état d'avancement dossier Petro-Caribe, nous dit après de tant décision finale arrêt la Cour cassation dans le cadre l'accusation que nous fait pour juge Ramoncide Aximé fermer bouche li dans dossier. Mais cependant, nous constatons et peuple a constaté que Ramoncide Aximé tellement à l'aise, tellement grandissait, il continuait à poter bourré sous dossier à ces dossiers papa la maman qui était bali pour l'été héritier. Kounia là, après tout appel que nous-mêmes, membres réseau national de l'Ian Petro-Caribe, bail à autorité morale dans le pays, secteur religieux, moun l'église, nous toujours à faire appel avec eux pour fourrer bouche, pour faire intervention, moun grand orient, bande vénérable loge, pour accompagner nous. Tout secteur vaudou, nous demandons tout mon assistance. Parce que nous connaissons ces batailles. Population en lié, ce n'est pas bataille, pas nous. Eh bien, ils n'ont pas de jambes répondre à nous-mêmes. Condition pays a mal marché, a mal mené, et kidnapping, toute qualité vieille a continué sous pression. Petro-voleurs qui continue à terroriser la population haïtienne. Eh bien, journée aujourd'hui, il y a plein. Mon autorité morale yo plein bi mal passé peuple là pendant que zeb gouvernement sans honte sans guiné ça toujours dans bouche y a bien mené y a mangé sous dos peuple là y a fait gros millions actuellement pendant que peuple a souffri pour ça pour toute raison ça là n'a considéré pendant six moments nous fait nous pas continuer goumer nous t'a tant décision arrêt la cour cassation. Eh bien, gouvernement Jovenel Moïse avec Joudla, pas dormi eux-mêmes. Ils ont mis plus passé 38 décrets scélérats, vieux bagailles, pour dominer la population. Décrets sous affaire code pénal pays. Malgré autorité morale, ils ont tiré les comptes. Mais tout bagaille ça, tout bagaille ça, fait. Profil bas sous prétexte que Jovenel Moïse mourit, il y a ban un faux film, il y a déroulé un faux film dans Figuinou pour nous capables de valer tout ça, Gabji, gouvernement Jovenel Moïse te fait avant. Nous étions quoi? L'homme Jovenel Moïse, ça, c'est un cadavre acheté, son l'homme acheté lié. Jovenel Moïse, passez un monde dans la place. Li. Jovenel Moïse, comme intelligent gros volet Petro-Caribe, il n'y a pas passé comme ça. Ça que l'Amérique a vendu la population haïtienne avec mode d'enquête scélérat ça, c'est une bonne bagaille pour tromper vigilance population. Nous étions quoi que
avec dossier Petro-Caribéa, n'a pas marré tout volé dans tout sens et dans tout côté que y a caché, n'a pas joué et nous décider à Nessa pour nous mener bataille là sous tout front jusqu'à ce que nous jouions résultat pour que peuple haïtien suspend souffrir et coupe en bas la misère que Petro volé mette pays à journée jeudi. Ariel Henry. T'es arrêté l'on véhicule qui t'est chargé d'armes que t'as pas distribué bah on paquet de monde dans période là qui pourrait le démanteler pour voir la balance là parce que Ariel Henry c'est un nèg qui pas jamais été langue avec la question de démocratie. Un, et ça Ariel Henry a eu. Deux, en 2004 Ariel Henry faisait partie d'une structure criminelle qui semait pas mal de chaos dans le pays. Là, nous sommes en train de parler du Conseil des Sages. Ça, bon pour nous connaître. Le Conseil des Sages qui contribuait à mettre Gérard Latortu l'en primati. Nous rappelons les Gérard Latortu l'en primati. Monsieur était à la fois Premier ministre et président bon paquet de massacres qui étaient fait dans le pays et précisément dans le Fort National en Belé. Mais comprenez bien, yon l'en moun qui était encadré, favorisé, protégé, Gérard, c'était Ariel Henry. Ariel Henry qui ont réputation criminelle, assassin. Ariel Henry, qui est-ce lié? Ariel Henry était ministre intérieur sous Michel Martelly. Attention, je vais parler du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas n'importe quel ministère. Je vais parler du ministère des Affaires sociales, du ministère des Mamans. Je vais parler du ministère clé. C'est-à-dire, Ariel Henry, c'est un monde de confiance. De yon lampi gros dilapidateur Front Petro-Caribé qui c'est Michel Martelly. D'ailleurs, c'est pas sans raison qui fait Michel Martelly te mettel ministre de l'intérieur. Donc, comme ça veut dire ministère clé. Ou alors, prend finance, l'on prend intérieur, l'on prend commerce et l'autre encore. Yon équipe accepte météo le ministère sa yo, c'est parce que il faut confiance. Ariel Henry, c'est un monde qui a participé activement dans la définition des stratégies criminelles qui te rendent possible décaisser un paquet de gros fonds dans l'argent Petro-Caribé que Venezuela te prétend pour te faire développement en Haïti, pour te faire infrastructure routière, pour te faire université, pour te faire l'école, pour te faire centre de santé. C'est-à-dire, Ariel Henry est également l'un des dilapidateurs du fonds Petro-Caribé. Ariel Henry, qui est-ce lié? Volé pareil. Ariel Henry, où est tout récemment là, il a contribué à l'augmentation du prix produit pétrolier. Ce n'est pas sans raison. C'est sur l'instruction des consultants américains, canadiens et français se trouvant dans ces ministères-là que Ariel Henry arrivait dit monter prix de gaz, monter prix produit premier, monter prix produit pétrolier. Mais tout, forme de tout, c'est en collaboration avec Michel Joseph Martelly. Qui est Ariel Henry? Actuellement, Ariel Henry a essayé de rapatrier au niveau de la cour d'appel de Port-au-Prince tout un ensemble de juges, tout un ensemble de doyens, tout un ensemble de commissaires que probablement nous connaissons qui en 2012, 13, 14, 15 qui étaient impliqués dans la libération des kidnappeurs, des assassins, des criminels. À
allez prendre ma parole là, au niveau de la cour d'appel de Port-au-Prince, ou après tout juste ça yo. Exemple, mon Jean-Michel qui était contre travail, mets dans la main. Avec l'autre juge qui te dit kidnapper, ouais, pas kidnapper, pas kidnapper encore non. Ouais, la mabélisé. Pas la gagne encore la prochaine. La mabélisé avec Raymond Jean-Michel, nous devons travailler main dans la main. C'est eux qui ont plagué kidnapper, assassin, vautour, criminel en bas dans le tribunal de première instance. Raymond Jean-Michel avec un paquet de encore, plus pas son dizaine. Mais à tout récemment là, le mois de décembre, nous avons fait tout. Prêter serment au niveau de la cour d'appel de Port-au-Prince. Vous comprenez ça? Ça veut dire, mais ça veut dire. Déjà, PHTK a vassalisé le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ils ont vassalisé actuellement la cour d'appel de Port-au-Prince. Ils ont pris le mettre un paquet de l'autre juge corrompu au niveau de la cour de cassation, de la cour suprême de la République d'Haïti. Ça veut dire, en ce qui a trait à la bataille judiciaire, le peuple haïtien ne va pas remporter pièce victoire. Et par exemple, dans lequel avocat plaignant partie civile, ils ont fait même petit bagage là tout. Ils ont exercé son recours en dessaisissement. La mon taxi me dit moi-même pas camper parce que nous ça gagne trop la vie. Et depuis là il fin faire quoi à la fin de l'année 2019, la mon taxi me continuer à poser ça. Ouais, c'est notre jour là en 2021, monsieur qui ça le fait, il rend deux ordonnances scélérates. Faut le blanchir mon ça. Bon, même si pour nous-mêmes et c'est ordonnance ça est nul et non avenir. Par le fait qu'elle pose après qu'une défine fait recours en dessaisissement. Guy Plain nous pote également par devant la cour de cassation. Contrairement à ce taxi, mais pas de rien qui fait. Et dossier, forme d'où que nous avons également interjeté appel de toutes ces ordonnances, de toutes ces. Par ordonnance ou arrêt, et rendu par le juge instructeur Ramon Staximé. Et nous avons préparer les moyens de se trouver dans les actes d'appel. Vous n'avez plus les dossiers ça au niveau de la cour et d'appel du Port-au-Prince. Mais tout et patiemment n'attendre arrêt de la cour de cassation, l'encadre pour un dessaisissement que nous avons exercé. Dossier lui relancer pour la plus belle. Monsieur dilapidateur, yo met défini toute stratégie au volet. Yo pas qu'à manger comme ça net. M'a fini. Net, pour me dire. Alors là, je vais laisser répondre à une question qui est en pile monde qu'on a posé tête. Mettre mes œuvres, quel est l'avenir du procès Petro-Caribé? N'a fini net pour nous dire que l'avenir du procès Petro-Caribé dépend fondamentalement de la direction que prendra la bataille politique. Ça veut dire clairement que l'argent Petro-Caribé, c'est l'argent machin Sarah, c'est l'argent chauffeur taxi moto, c'est l'argent journaliste, c'est l'argent avocat, c'est l'argent juge, c'est l'argent patron, c'est l'argent ouvrier. Et que si nous ne pas comprendre nécessité activement, conjointement, pour nous impliquer dans la bataille, pour nous continuer à poser question ça, quoi Petro-Caribé, si nous ne pas comprendre nécessité pour nous continuer à foncer, pour nous écarter de l'administration publique, du palais national, de la primature, délinquant, allié. Et allier dilapidateur ça yo, eh bien, procès Petro-Caribé a pas jamais réalisé. Et pour que le procès Petro-Caribé puisse effectivement se réaliser, puisse être concrètement, véritablement matériel.